Salut tout le monde. Salut, salut. Tu t'es coupé, genre ça faisait salut tout le monde. On aurait dit que t'avais un vomito qui allait arriver. Ah putain, je prends les gars, j'arrive pas à dire bonjour, c'est vraiment d'une force. Je vais arrêter de dire bonjour en fait. J'espère bien que ça marche. Je me malpolis. Ouais, c'est pas grave. On est content aujourd'hui, comme vous pouvez voir, nous sommes sur la vidéothèse de Alia Désolation. C'est platiné, ça y est, on est heureux. Ouais, on est heureux, J'allais dire encore un truc dégueulasse, mais on est heureux quoi. C'est développé par Creative Assembly, édité par Sega. Sorti le 7 octobre 2014. Parfait. Sur multi. Plateforme. On incarne Amanda. Ripley. La fille. D'Hélène. Ripley. Je sais pas si c'est très bien. Moi ça me fait rigoler. Bon bref, désespérément à la recherche de sa mère qui est portée disparue depuis son dernier embarquement. Dans le vaisseau en fait du Nostromo, pour ceux qui ont vu le film, le premier du nom, le huitième passager. Bref, du coup, elle embarque donc à bord du Torrens pour retourner sur les traces de sa maman, et pendant son aventure, elle fait face à d'étranges phénomènes qui du coup lui barreront la route. Ça se déroule en fait, le jeu se déroule entre le premier film Alien et le deuxième, donc c'est-à-dire entre le huitième passager et le retour. Oui, je peux le dire les titres maintenant parce que j'ai vu les quatre films. Putain. Voilà. Mais, par contre, on spoil la mission 10. On l'a pas dit. D'accord, intervention inutile, merci. Excusez-moi. Là, je me suis dit, on allait l'oublier, je suis sûr certain qu'on allait passer au graphisme. Hein, c'est vrai. Donc, bref, graphiquement, vas-y, je te laisse commencer. Du coup, c'est beau, enfin, nous on le trouve beau. Et voilà, du coup, je suis perdu parce qu'il faut que j'aille un objectif. Et moi, j'aime pas les objectifs. Donc, du coup, c'est beau, c'est sombre. Ça rappelle tout ce qui est vaisseau spatial, donc forcément, c'est sombre et pas très coloré. Voilà, il y a deux belles cinématiques, et voilà, le panorama qui est beau. Ouais, le panorama est pas mal en fait, à travers les vitres, on peut voir l'extérieur de la galaxie. Ouais, voilà. Pardon, du coup c'est pas mal. Et puis les moments à l'extérieur aussi, c'est vraiment beau, toi t'as bien aimé le soleil, comment il était représenté, moi j'ai bien aimé vraiment la planète et tout ça, vous voyez dans le menu principal, et puis aussi la parabole qui bouge et tout, je me croyais vraiment dedans, j'étais là, oh, t'imagines André, tu bouges le truc et tout, enfin bref. J'étais vraiment dedans. Ok, ça, il y a du rappel du décor du premier Alien. Voilà, qui s'appelle 8ème passager, comme j'ai dit, je répète, parce que je suis trop fière d'avoir vu le film. Elle est trop fière, bref. Niveau bande-son, qu'est-ce qu'on trouve? On a eu des petits rappels du film d'ailleurs. Ouais. Tout ce qui est alarme et tout, c'est des bons petits rappels, c'est assez drôle. Du coup, ouais, parce que du coup, quand toi t'as re-regardé les films avec moi, ouais. Parce que moi c'était la première fois, je n'osais pas quand j'étais jeune, et c'est vrai qu'on a rigolé, on s'est regardé. Mais ah, t'as c'est vu pareil, c'est... Enfin, voilà, du on coup, était c'est... peut-être trop cons, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'était... C'est bien pensé. Voilà. Niveau du gameplay... Oh, désolé pour le chargement. Ouais, parce qu'on va un petit chargement. Donc, niveau gameplay, il y a 19 missions, 3 modes de difficulté. Donc, novice, intermédiaire et expert. Donc là, on est novice parce que, voilà, pas envie de se faire chier. Il y a un mode survie qu'on fera plus tard en vidéo bonus. En vidéo bonus, parce que on va mourir, on va rigoler. du coup, on doit faire quoi? On doit survivre, hein, principalement. On doit se cacher. On doit explorer les lieux pour, je sais plus ce que t'as mis... Suivre les objectifs. Voilà, non, c'est ça. J'attendais de voir s'il allait le dire, le mot. Alors, ma phrase n'était pas comme ça à l'origine. Donc, suivre les objectifs, sauvegarder, ça c'est hyper important, et s'enfuir. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est tout, fini, fin. Et on recherche aussi des plaques d'identité, des enregistrements, des messages de Nostromo, des éléments de composition, des cartes pour actualiser la carte et pas obligé d'être fouiller à des endroits où c'est pas obligatoire juste pour voir bien toute la carte. C'est ça. Les schémas de craft, j'appelle de craft parce que c'est les schémas qui nous permettent de fabriquer des objets. Les armes aussi qu'on retrouve, les munitions et les objets. Voilà. Donc les armes, il y a le revolver. Le revolver, le taser, fusil à pompe, le lance-flamme, qui est très très important, qui est très bien. Le pistolet à clous, que j'adore. Voilà. Au niveau du... voilà. Et du coup, après, je vais parler des crafts et objets. Donc, les crafts, ça sera grâce aux éléments de composition que vous avez trouvés, par terre, dans des boîtes, enfin bref. Et puis, par les schémas. Je t'emmerde. Et par les schémas. Et du coup, après, vous avez aussi les objets, donc ça, qui se débloquent en avançant dans le jeu. Donc, je vais commencer d'abord par ce qui se fabrique. Donc, il y a le Medikit, donc qui vous permet de vous soigner, la bombe tuyau, le bombe fumigène, l'émetteur de son, la bombe aveuglante, la mine IEM, le cocktail Molotov. Tov. Ouais, parce que je dis Molotov, moi. Je suis... Et IUM, tu l'as bien dit, j'attendais que ouais. C'est aussi une chose très importante, l'IUM. Ouais, ah ouais. Et puis aussi, l'émetteur de son, il était bien aussi. Ah ouais. L'émetteur de son, ah ouais. Cool. Après, en objet, il y a le fumigène, du coup, les fumigènes. On a le détecteur de mouvement qui nous permet de savoir où sont à peu près les ennemis. L'outil de maintenance, la torche à plasma et le synchronisateur. Voilà, avec ça. Tout ça, vous êtes équipé pour être infiltré normalement. Hein?
Y a pas de problème. Y a pas de problème, je pense, pépère. Avec ça, vous avez aussi une petite option qu'on voulait vous parler pour le gameplay. C'est, du coup, tu es grillé, je pense, non? Même pas? Bah putain, mec, dis donc, j'allais dire dans les points positifs quelque chose, mais là, ils passent pour des gros débiles. Ah ouais, mais c'est pour ça, ton point positif m'a fait penser que bon, ok. Bah c'est moi. Bref, du coup, oui, l'option de détection de mouvement et de bruit, qui est pas mal, je trouve. Voilà, donc du coup, c'était important de le dire. Ça c'est fait ça. Penser au projet Morpheus. Enfin, ouais, voilà, c'est vrai, non, mais c'est vachement bien. Mais... Enfin, voilà. Niveau des trophées. Ils sont longs et durs. Enfin, durs pour certains, en fait. Pour certains trophées. Pour certains trophées et puis quelques trophées manquables. Quelques trophées manquables. Ne vous inquiétez pas, on va peut vous rassurer. Tout en faire. Voilà. Donc, les trophées manquables sont disparus. Archivistes et les voies de Sébastopol. Toutes les choses qui vous manquent peuvent être récupérables en mission 16. Parce que la mission 16, vous avez un moment où vous pouvez aller partout en fait. Et puis de toute façon, on vous mettra à la fin pour les liens de PowerPix. Parce que en fait, ça vous permet. Les portes sont déjà déverrouillées parce que vous avez déjà tous les objets qui sont nécessaires pour déverrouiller les portes. Et du coup, vous pouvez aller chercher ce qui vous manquait. Les messages Nostromo et tout ça. Après, vous en avez aussi en mission 17 et 18 aussi, je crois. Oui. Et du coup, voilà. Si vous en avez manqué, vous avez ça. Les 100 enregistrements à récupérer, vous inquiétez pas, c'est large. Vous en avez large, oublié. Vous avez oublié le numéro 3, le numéro 4. C'est pas grave. Vous en avez plus de 150, je crois. Je crois qu'il y en a 151, mais je veux pas m'avancer là-dessus. Du coup, non, les enregistrements, c'est ça. Pensez à bien sélectionner. Voilà, on fait ça, tac, on sélectionne celui-là, on lit bien, on sélectionne celui-là aussi, tac, on va à l'autre, etc. etc. Voilà, parce que sinon, ça, on en oublie. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, comme on vous dit, il y en a plus de 100, oui, donc c'est, 100, large. C'est large. Tout est accumulable avec les autres parties, donc vous pouvez refaire une partie, vous aurez gardé vos plaques d'identité, vos enregistrements. Il y en a plein sur les sites qui disent, de trophées, qui disent que. Ce n'est pas accumulable, je suis désolée, mais nous, on a eu la preuve que c'est accumulable. Voilà. Donc, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, hein, même nous, parce que ça se trouve, on vous dit des conneries, donc nous écoutez pas. D'ailleurs, arrêtez la vidéo, c'est bon, c'est fini. Ouais. Mais on a la preuve que c'est accumulable quand même. Bah voilà, bref, c'est accumulable, enfin, la preuve en est pour toi, enfin voilà, on s'en est rendu compte. Et du coup, pas d'inquiétude là-dessus. Aussi, vous avez possibilité de choisir les missions dans les options pour éviter de recommencer le jeu. C'est-à-dire, si vous manque quelque chose à la mission 10, vous n'avez pas envie de recommencer les 10 premières missions. Parce que vous allez dans le menu principal, vous allez charger la partie. Et du coup, vous allez dans les missions et vous allez pouvoir choisir une mission en particulier. C'est pratique pour ce que vous, si vous en avez manqué. On a dit dur pour le trophée d'une traite qui est ne pas mourir pendant tout le jeu. Et aussi, pitié aux prudences pour ne tuer aucun humain pendant... toute la partie. Toute la partie, oui. Pourquoi on l'a mis en dur celui-là? Parce qu'on l'a fait en difficile. Enfin, tu l'as fait en difficile. Du coup, désolé, je les renvoie depuis tout à l'heure. Dégueulasse. Du coup. Dégueulasse. Je sens que plus la FAQ est dégueulasse. Et du coup, bah voilà, on l'a mis en difficile. Mais nous, enfin. Du coup, la chose qu'on peut vous dire pour d'une traite sans mourir, bah vous mettez start. Dès que vous allez mourir et vous mettez charger la dernière sauvegarde. Alors direct ça, tac, vous chargez la partie et vous et faites recommencer la sauvegarde actuelle. Si vous êtes mort, vous recommencez la mission en entier pour être sûr. Voilà. Faites attention au facehugger. Oula, j'ai fait un accent pourri, non, bizarre. Ah ouais, je trouvais que c'était bien. Non, je pense que ça fait trop. Facehugger. Ouais. Bref, du coup, eux, ils ne vous laissent pas le temps d'avoir pause, en fait. C'est direct, vous mourrez. Ouais, donc faites vraiment attention, regardez des vidéos de playthrough pour savoir où ils sont exactement, ça pourrait être bien. Du coup, qu'est-ce qu'on conseille en partie? Bah, on conseille de le faire une première fois en facile, en mode pépère tranquille, et faire tous les trophées au maximum, quoi. Donc rechercher les collectibles et ne pas tuer d'humains. Et ne pas tuer d'humains, comme ça, voilà. Et après, en difficile... Bah vous allez tuer des humains. En deuxième partie, vous le faites en difficile et là vous tuez les humains. Parce qu'il y a un trophée où vous tuez 10 humains. Donc du coup, autant le faire en difficile, voilà. Vous le faites ou vous recommencez à chaque fois la même mission. Enfin, voilà. Et puis en difficile sans mourir. Parce que vous allez vous dire en difficile sans mourir, mais c'est trop dur. On va vous dire quelque chose après. Vous allez être vite rassuré là-dessus. Enfin bref, voilà. De toute façon, vous inquiétez pas, on vous mettra les liens de PowerPix parce que selon nous, c'est lui qui a fait le meilleur cheminement pour les trophées. Je pense. J'ai regardé un peu PS4 Trophies, pourtant à chaque fois, on préférait PS4 Trophies pour les dernières vidéos. Oui. Mais, ouais, en, fait, vous, oui. Mais en fait, non. Là, c'était mieux pour PowerPix. Puis c'était plus rapide. Bref, les points positifs. Et bah, on a l'histoire qui est pas. Le graphisme.
Les décors du film, hein, qu'on retrouve. Voilà, c'est ça. La bande son aussi, la qui est très bien. La bande son qui est géniale, enfin qui est géniale, qui rappelle aussi. Pourquoi faut pas que je lise ? C'est si je lis, après je suis perdu. Bon, je continue. Non, allez, c'est parti. Les sauvegardes côté rétro, parce que vous voyez la petite sauvegarde qui est là-bas, je trouve ça trop fan. Ouais, c'est manuel et ça fait un peu à l'ancienne et c'est voilà. Bien. Il y a de plus en plus de jeux. Et comment on sauvegarde ? C'est marrant, je trouve. Comment on sauvegarde ? Ouais, c'est vrai. Le côté rétro des chargements que j'aime bien. Merci Marie. Les enregistrements du Nostromo que pour toi ont été cool, ça apporte beaucoup de choses au film. Enfin, ça rappelle le film en fait, parce que du coup c'est Nostromo, hein, c'est le vaisseau où étaient les cosmonautes, j'appelle ça comme ça. Enfin bref, tous ceux qui étaient là dans le film 1, c'était dans le vaisseau Nostromo et du coup les enregistrements c'est plutôt cool. Ça m'a donné envie du coup de regarder les films, donc je mets dans le point positif ce truc là, parce que du coup j'osais pas quand j'étais plus jeune et j'ai regardé et j'ai adoré les films d'ailleurs. D'accord, le craft, système de craft que moi j'ai bien apprécié, hein, c'est... Ça a été cool de l'intégrer dedans, je trouve. Ouais. Voilà. J'ai envie de rigoler. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en train de speeder comme des oufs depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous avez remarqué, vous arrivez à nous suivre, hein, mais on est là en mode... Oui, donc après, il y a l'enregistrement et machin, et bidule, et après, il y a... Allez, sinon, après, les gueules, ça fait 45 minutes qu'on fait une vidéo. Alors du coup, moi, je speed, hein, je suis là. On vous fait une heure de vidéo test, c'est parti. Maintenant, c'est notre nouveau projet. Bon, de toute façon, la caméra ne tiendra pas. Tout le temps. Non, c'est vrai. Donc du coup, j'ai pour ça, enchaîne. Donc, les crafts, t'as dit que c'était bien. Les crafts, c'est bien. Le jeu est long, c'est aussi bien. Parce que, pour ceux qui ne sont pas genre, chasseurs de platine. Ouais, pour ceux qui ne sont pas chasseurs, du coup, c'est long, donc c'est cool pour eux. Ouais, plus de 20 heures de jeu hein, pour le premier playthrough. Hein. C'est peut-être nous qui sommes nuls, mais bon, au début, tu connais pas le jeu, tu sais, tu te mets souvent accroupi comme là. Du coup, c'est vrai que tu flippes un petit peu. C'est angoissant. Au début, c'est angoissant. Hein, tu tiens un peu. Enfin, t'as des peurs un peu, voilà. Je vais mettre des claques, ça c'est l'heure. Franchement, elle m'énerve. Après, l'IA qui est assez bien. Parfois, c'était moi mon avis, parfois je trouvais que c'était bien par rapport à d'autres jeux où voilà, parfois derrière une caisse ils te voient pas. Enfin, ils te voient justement, alors que quand t'es dans une caisse où ta tête elle dépasse, dans la plupart des jeux t'es grillé. D'accord. T'es pas grillé, justement. Sauf que là, tout à l'heure, je suis passé à un endroit, Oui, c'est vrai. Mais bon. L'interaction de la manette, les capteurs de mouvement et de bruit, on a trouvé ça génial. On a tout regroupé ensemble. C'est vrai que voilà, la manette, elle est utilisée maintenant pour plus de jeux. De plus en plus de jeux, c'est pas mal. On zappe de le dire. Puis les détecteurs de mouvement, de bruit, tout ça, avec la caméra, tout ça, c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal pensé. Ça fait penser, du coup, à ton projet Prophéos, comme j'ai dit en tout début. Oui. Les voix FR qui sont bien faites. Ah, elles sont juste géniales. Pour une fois, j'aime bien la voix. Et la fin. Les 3-4 dernières missions, c'est les meilleures selon nous. Parce que c'est là où il y a le plus d'action, qu'il y a plus de choses. Fin... Et c'est court. C'est pas des longues missions énormes, comme la 10 qui est assez longue. Qui est assez longue. Voilà. Des points négatifs. Tu peux parler du coup de la chose rassurante par rapport au trophée, de le faire en difficile sans wear. Je trouve que c'est y a pas une grande différence entre le facile et le novice et le difficile. Alors après vous allez me dire ouais machin tu dis de la merde, mais la seule différence franchement c'est juste que tu te prends une balle, t'as des dégâts vachement les dégâts ils sont plus importants. Ok, tu te prends deux balles t'es mort, mais à part ça y a rien qui change. Mais moi je m'attendais à un truc plus genre t'es en difficile, t'es en expert, ok bah l'alien il vient plus souvent, tu fais le moindre bruit l'alien il vient direct. Et en fait, pas du tout. Et en fait, non. Donc du coup, j'étais un peu déçu, quoi. Pour ça, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est assez long pour les platineurs. Hein, voilà. Un petit point négatif pour les platineurs. Voilà. Le gameplay. Toi, tu ne supportes pas. Enfin, je n'aime pas ce genre de gameplay. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais vous dire un petit peu une phrase compliquée. Vous n'allez rien comprendre, mais ça explique très bien la réalité du gameplay. Pourquoi ça s'est ouvert là, c'était une messie ? Non, mais c'est... Ah oui, non, c'est Ricardo. Tu ne peux pas mourir depuis tout à l'heure. Du coup, vous avez... Non, c'est Marshall, pas Ricardo, je suis con. C'est Marshall qui nous parle. Bon, bref. On ne sait pas. Du coup, vous avez... Qu'est-ce que je disais ? Le gameplay, donc vous êtes au point A, il faut aller au point B. Mais pour aller au point B, il faut aller à C. Pour aller chercher je ne sais quoi, ou activer je ne sais quoi, ou désactiver je ne sais quoi, pour ensuite retourner à A, et ensuite tu te dis c'est bon, je vais pouvoir aller à B. Mais non, en fait, faut que t'ailles à D, et puis qu'ensuite tu retournes à A pour faire quelque chose, et ensuite revenir à B. Voilà. Je sais pas si tout le monde a compris. Mais... Je sais pas si tout le monde a compris, mais en gros, voilà, vous faites des allers-retours pendant tout le long. C'est ça. Et c'est vraiment, ce genre de gameplay, ça me dérange, quoi. J'aime bien quand ça avance, quoi. C'est pas genre tout le temps, t'avances, tu recules. Tu vois, genre tu fais deux pas, tu vois, comme. Comme quand t'as pas de réseau sur les jeux multijoueurs et que tu fais deux pas en avant et tu fais trois pas en arrière. Enfin voilà, c'est exactement ça. On a eu la cinématique, on a trouvé qu'il y avait un peu de ralentissement. Vous avez vu en vidéo découverte. On sait pas si c'était...
Enfin, on sait pas si c'est du 60 FPS, on sait pas trop enseigner, on est un peu nul là-dessus, mais on ressent le 30 FPS. À des moments, ça bug tellement ou que... Ou peut-être le 60 FPS, justement, mais qui est trop lourd pour qui le est jeu. Trop lourd, ouais. Peut-être, hein, on sait jamais. Hein. On sait jamais, ouais. Il y a des freezes, du coup, des bugs de conduite. Des bugs de conduite, on a le eu une starting map. Oui, voilà, le bug de conduite, c'est un peu le truc... Enfin, vous savez, vous rentrez, voilà. Non, vous rentrez, bah là, c'est fermé, mais en gros, c'est un truc comme ça, et en fait, ça s'ouvre pas. Donc parfois, t'es coincé dans le conduit, t'es obligé de faire plein de reculs, j'avance, reculs, enfin bref. Et du coup, oui, bah, une sortie de map. Une sortie de map qu'on a eu sur ta partie, tu te rappelles? Ouais, c'était assez marrant. On était vraiment au-dessus de la map, hein. Limite, on aurait pu courir, genre, I believe I can fly. C'était assez drôle. les androïdes, vous voyez, sont... hein, normalement, c'est des humains dans le jeu, et là, ce ne sont pas des humains, sauf pour certains, mais... Je veux dire, t'as pas d'androïde comme ça. Enfin, moi, j'en ai pas vu dans les films. Non, ou alors, c'est dans la version longue, mais moi, j'ai regardé les versions normales, il y en avait pas. Bref. L'alien qui est trop présent. D'où une lassitude. D'où une lassitude, parce que le jeu aurait été un peu mieux, je pense, sans alien tout justement, temps. Nous, on avait inventé une histoire de malade. On fait inventer une franchement, histoire. Nous, on devrait être développeurs. Parce que franchement, on a des idées à chaque fois. Non, mais le problème, c'est que l'alien, il est là dès la mission 5, il me semble, ou quelque chose 4. Comme ça, 4-5. Et du coup, t'es là, t'as déjà l'alien au cul, et ça tout le long du jeu, et au final, bah t'es lassé, t'as plus trop peur parce que l'alien, tu sais qu'il va être là, machin, enfin. Ouais. Voilà, c'est lassant. En fait, à la fin, tu te fais chier qu'il soit là, quoi. Ils auraient dû faire autrement. Ouais, c'est ça. Genre le mettre pendant tout le long dans le conduit, ou faire un jeu plus court, quoi, et que ça s'arrête à la mission 9 ou 10, quoi. Ou comme on l'a dit, vraiment que l'alien, on le voit jamais, tu vois, il est toujours là, bien présent et tout, il nous fait flipper par des screamers et tout, qui nous, voilà. Et justement, du coup, après, on est soulagé dans le sens, ouais, de toute façon, il vient jamais. C'est que ça, et par contre, dès qu'il vient, vous l'avez vu, vous êtes mort. Ouais, parce que dans le film, en vrai, il vous voit, il vous tue, hein, c'est pas genre, il marche tranquillement en train de... D'ailleurs, ça, je vais le dire, les déplacements de l'alien sont très mal faits, parce que... Ouais, les humains sont un peu bébêtes. Hein. Parce que. C'est du bruit pour l'alien. Oula. Ouais, bon, c'est en facile, hein, ça se voit. Oui, et du coup, les déplacements de l'alien sont très lents. Alors que je suis désolée, mais l'alien, dès qu'il a vu. Enfin, dès qu'il a entendu du bruit, il court partout et voilà quoi. C'est pas. Il s'amuse à marcher lentement et machin. Enfin, bon, bref. C'est ça. Le trophée. Le trophée. 100 fois de trop. 100 fois être mort. Ouais, enfin, voilà, c'est. 100 fois de trop, c'est être. Ouh! Être mort, être mort 100 fois par l'alien, alors à moins d'être la pire des noobs, désolé pour la personne ou les personnes qu'on a fait 100 fois. Enfin, mais franchement, mourir 100 fois dans le jeu, c'est quand même grave. Nous, on s'est fait chier 45 minutes pour faire ce trophée-là. Plus que ça, mec. Alors, ouais, non, 1h30 peut-être, non? 1h15, je crois, un truc comme ouais, ça. Non, mais... non, je passe quand même, je m'en bats les couilles. Tiens, dégage. Du coup, voilà, ce trophée-là, pour nous, il est bidon. Et il n'a pas... Enfin, c'est vraiment débile, c'est vraiment... Bon, t'es tellement nul que, bon, ok, on te met un trophée si t'es vraiment nul, pour te rassurer. Enfin, voilà, mais toi, nous, on passe 1h15, 1 heure à faire ça, quoi. C'est clair. Et voilà. Puis toi, tu avais dit, un dernier point négatif... Pas cette peur. Voilà. Je me suis pas chié dessus, donc du coup, ça m'a un peu déçu. Après, le jeu, il est peut-être pas considéré comme un survival horror, je suis d'accord. D'ailleurs, oui, on va le dire dans les conseils, hein, parce que y a des... Enfin, faut pas faire... Faut pas penser que c'est un vrai survival horror, parce que voilà, toi t'as pas eu assez de peur, du coup. C'est un jeu stressant et pas de peur. Voilà. C'est juste ça, et c'est pour ça que c'est très lassant, d'ailleurs. C'est ça. Enfin, moi, je le pense. Ta note? 14. Eh ben, moi aussi, du coup, ça fait une note de 14 sur 20. Il vaut pas mieux, il vaut pas moins. Voilà, pour nous, c'est un 14, c'est une note correcte, mais il vaut pas plus. Non, il vaut pas plus. Bah, je pense pas qu'il... Non, pas pour nous, en tout cas. Pas pour nous. Voilà. Est-ce qu'on le conseille? Donc, oui, mais ne pas s'attendre à un vrai survival horror. Sur certains sites, ils disent que c'est un FPS infiltration et ça résume parfaitement le jeu. Pas besoin de penser que c'est un survival horror. Si vous êtes fan de survival horror, vous allez vous emmerder comme Val. Enfin, peut-être que vous allez aimer. Hein. Après, on dit ça, on dit une généralité, mais non, tout le monde est différent. Oui. Mais on a été un peu trompé. Moi, j'ai pris Alien parce que je me suis dit ça va me faire flipper. Je vais grave kiffer, un peu comme dans les films. Alors, au final, j'ai été déçu parce que je m'attendais à un survival horror. Donc ouais, faut pas s'y attendre. Et bien justement, moi j'avais commencé le jeu et je m'attendais à avoir de l'action parce qu'après, j'ai fait jusqu'à mission 5, je n'avais pas fini la mission 5 et je me suis dit je vais regarder les films. J'ai regardé les 4 films, je me suis dit putain, si c'est comme dans le jeu, si c'est comme dans le film, le jeu va péter quoi. Et en fait, il y a moins d'action, moins de... C'est rapide, ça se passe vite en fait, tu vois pas le temps passer dans les films alors que là tu vois le temps passer quoi. Du coup, nos attentes, rien. Bah rien. On n'attend rien, on n'attend pas un autopus, on n'attend rien du tout. Je pense que
Les films cultes comme ça, faut les laisser là où ils sont bien. Ouais. Et ils sont posés, bro. Et du coup, bah, on prendra les DLC, bien évidemment, parce qu'on est des pigeons. Et on aime ça. Et voilà, c'est surtout pour vous les faire partager aussi. Oui, voilà, c'est pour vous les faire partager. Nous, on aime bien prendre les DLC, vous le savez. Et du coup, voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire sur ça. Du coup, voilà, je pense qu'on va vous laisser sur ça. C'est une vidéo test assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce jeu. Voilà, du coup. Désolé pour la longueur, ça se trouve, elle va être désolé pour la longueur, il n'y a pas vraiment d'action, mais moi je trouve que la mission 10, justement, elle montre bien ce qu'est le jeu, c'est-à-dire de que voilà, c'est long. C'est long, on fait pas. Et ça, tu passes. Ouais, non, et ça résume bien le jeu, je pense, la mission 10, hein, c'est ce que. Ouais, t'as bien choisi. Elle est pas encore finie, hein. Ça fait une lumière. Bref, du coup, sur ce, bah, si vous avez bien aimé la vidéo test, si vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit ou pas, hein, vous pouvez mettre un petit commentaire. Oui, j'avais envie de commencer par commentaire. Vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, commentaire pour partager, et puis pour partager, pour s'abonner, et puis et puis s'abonner pour Twitcher, et puis pour Twitcher pour Twitter, après voilà, et puis pour Facebooker après peut-être. Non, bref, vous n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter la vidéo, à partager la vidéo et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore sur YouTube, Facebook, Twitter et Twitch. Voilà. À chaque fois, c'est la phrase hyper longue, j'arrive pas à. Arrive pas à la dire ? Non. T'essayes de faire venir l'alien. Bah ouais, du coup, pour mourir. Donc, sur ce, on vous dit ciao, ciao, ciao.